could say, like, if you look at the designs from when I started in 2012. The design aspect didn't really... Bienvenue de retour chez Adrienne, première dame. Attendez, attendez, nous devons faire la petite danse. La star à papa, la star à papa, la star à papa, la star à papa. On va s'asseoir maintenant. Asseyez-vous, asseyez-vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la santé. J'espère que tout dans vos vies, normal. Pas dans des vues virtuelles, ok? Ça se passe bien. Attendez, avant que je puisse commencer la vidéo, aime la vidéo comme ça. Tu es là, installe-toi dans les calmes. Je vais commencer ma vidéo. Bienvenue de retour chez Première Dame. Le quoi c'est Adrienne? Si c'est ta première fois de regarder ma vidéo, tu es la bienvenue de t'abonner dans la chaîne. Pour cette vidéo, on se retrouve avec ces belles images des Annie Femmes que je vous introduis dans cette chaîne. Elle est publiée partout. Comme vous voyez, les photos vont défiler. Tout le monde parle d'elle. Toutes les grandes pages, le grand blogueur, les blogueuses, everyone, Shade Room, Bella Naija, tout le monde parle de cette femme congolaise talentueux, qui vient de choquer, qui vient de break, she broke the internet, elle vient de briser l'internet, franchement, avec sa nouvelle création. Je vais vous lire ce que Shade Room a écrit. Oui, c'est une congolaise, maman, elle est congolaise dans la salle, faites maximum de bruit pour Annie Femme Mwemba, pour mettre ce qu'elle avait à dire, mais en attendant, lisons d'abord ce que Shade Room a écrit en français. Je sais bien, en anglais, je sais bien que peut-être vous n'avez pas compris, je vais essayer de translate. Black people just continue to challenge the game and we love to see this. In the fashion world, Congolese fashion designer Annie Femme Mwemba, owner of contemporary brand Anifa, debuted the latest collection on Instagram Live with 3D models. Anifa, une Congolaise qui a commencé son aventure de fashion avec les 3D models sur sa page Instagram. Voyez-moi comment est-ce que tu peux utiliser ton Instagram pour impacter le monde entier. It was an innovative fashion show that wowed the internet. C'était quelque chose d'innovation qui a choqué tout l'internet. Ok? Donc, il continue à dire, and to keep it real, Anifa told the teen vlog that she had planned for digital show long before coronavirus. Elle a planifié faire ça même avant cette pandémie qui nous a attaqué, mais tellement qu'elle a eu le lockdown, elle était en quarantaine, c'est pourquoi elle a fait ça, ok? The news came out about how serious things were, and now I started to feel a bit anxious about everything going on. I started to feel maybe it would be incentive to create and share a new collection online while people were facing very difficult times. Donc avec ses temps, elle a profité de son temps à la maison pour créer quelque chose de wow. Je vais vous mettre son interview, mais cette fille a félicité vraiment. Elle a justement honoré le Congolais avant son show, avant son fashion show à l'internet. Elle a joué la musique congolaise, of course. Lorsqu'on parle de la musique congolaise, nous savons bien, il doit avoir les Bossa Mboka, Koffi Olomide. Elle a commencé avec Ahoui le Longomba parce qu'elle voulait toucher les Africains. Et puis pour enfin finir par le boss, Vienanga Boga Quadra Kurama. Ouais.
Anita qui nous explique dans son interview que je vais vous proposer vers la fin que lorsqu'elle a commencé, elle n'avait que l'âge de 21 ans. Elle voulait que son design puisse refléter sa vie, quoi, sa vie, son style de vie à l'âge de 21 ans. Vraiment, elle avait beaucoup d'inspirations. Elle nous dit que son design is limitless, ça veut dire elle n'a pas de limites. Et elle est vraiment féministe. J'aime vraiment les femmes qui pensent de la sorte, en fait. Elle a une idée très innovative, quelque chose de new. Anita qui nous a montré, qui a montré le monde entier, le Congo, les images que vous voyez défiler là, c'est la RDC. This is so good, avec surtout sa blouse qu'elle a fait de jaune, orange, jaune, vert et bleu. Elle a vraiment ramené les drapeaux de la RDC dans des angles que peut-être on pouvait jamais imaginer, quoi. Aujourd'hui, c'est facile pour les Congolaises d'être au réseau sociaux, justement pour des trucs inutiles, mais du moment où il y a des femmes comme ça qui font des choses, ils sont des femmes à féliciter. Félicitons Anita, félicitons-la avec son idée, son beau travail de quarantine. Lorsque j'ai vu ça, même moi aussi j'étais choquée, et c'est pourquoi j'ai dit waouh, bravo Anita, et que ton travail puisse aller de l'avant. Travaille aussi, collabore aussi avec des Congolaises, des blogueuses et tout, tu as toute la chance du Congo. Voilà Anita, félicitations une fois de plus. Je vous laisse suivre son interview. Et aussi, elle a dit que c'était pas évident au début, mais avec la détermination, avec la force, c'est maintenant, elle aura maintenant bientôt 30 ans. Ça a 30 ans que son travail explose. Donc, pour vous dire que tu peux pas commencer quelque chose aujourd'hui, attendre que ça puisse monter. Et suivons d'abord ce que Anita avait à dire aux internautes. Hi everyone, my name is Hanifa Mbwemba and I am the designer and creative director for Hanifa. Hanifa is limitless, feminine, innovative. It's a lifestyle. It's more than just the clothes, it's about the woman that's wearing the clothes. When I started Hanifa, I was 21. So, I mean, the brand is literally like a reflection of myself, so it has evolved like so much. From I could say, like, if you look at the designs from when I started in 2012 to what they look like now in 2020, it's like complete different, but it's a beautiful like thing because I see the growth. I see who I was as a woman when I was 21 and who I am now. You know, I'm gonna be 30 this year, so it's just like it's been a really cool process. It's been hard, but I've enjoyed every single like second of this. The design aspect didn't really come about until I saw how it was perceived once I put it out. And I feel like growing up, I always felt like an outcast. I always felt like I wanted to be in or I wanted to be a part of something. And I find that I actually have a voice with Hanifa. So that was really what fueled the passion. And what really helped me to like stay motivated and just be like super focused and driven to like really see this thing through. Entrepreneurs or business owners, we all have goals, right? We all have points that we want to hit in our lives or in our journeys as business owners or entrepreneurs or whatever. But what happens when you actually hit that goal? And then what? And for me, serving is something that was like a big part of it's a big part of who I am and what I want to do. So naturally, I was like, oh my God, this is actually the right time to talk about Congo. This is the right time to do a collection inspired by Congo. So growing up, I've heard so many stories about the coltan and the mining issues in Congo. So coltan is basically a mineral that is used in electronics, and a lot of the mines, actually 60 to 70% of the world's source is actually in Congo. And it's sold illegally through the black market, and a lot of times there's children at these mines. A lot of them are losing their lives. A lot of families are affected. There's like rebels in these villages that are terrorizing a lot of the people there. They're raping the women, they're raping the children, and it's a big issue. And I think
just a simple fact that our phones are connected to this mineral is another big problem, because we all have smartphones. So some way and somehow we're also kind of part of the problem, but we don't know it. So I just wanted people to kind of just be aware and, you know, sometimes just think about certain things and what's happening and how women are getting raped and how children are affected, how, you know, the wages are, how the conditions are at these mine sites. And just knowing the fact that 60 to 70% of the world source comes from Congo is huge. It's huge. So I just felt like, you know, this is something that people don't really talk about. These are things that people actually don't know about. I don't think it's bad that there's mine sites, you know, because this is how a lot of these families are able to feed their families. But I really wanted to shed light on the conditions, and I wanted this collection to support and benefit the families that are affected, and the organizations that are actually doing the groundwork in these villages and the places that are affected. So, I mean, I know one person or one organization can't do everything, but we have to start somewhere. I'm so intentional about everything that I do with this collection. You know, if you're African, then you know about like African seamstresses and how, you know, detail is so important and color is so important and prints are so important. So I really wanted to make sure that I use that in this collection, just to give tribute to all the African seamstresses out there, not just Congo specifically. I did a lot of detailing. I did prints my own way. I did color my own way. And every single color palette that we use in this collection has meaning to it. It has intention behind it. It has a story. It has purpose. One dress in particular, it's like a beautiful, like just like a dress where you can feel so much freedom in. And the color palette that we used was like red, blue, and yellow. And those are the colors of the flag. And the red really means like the pain, suffering, the blood of all the lives that have been lost. The blue means like the peace. And yellow, just like the hope. I can talk about it, but I really wanted people to also do their research and just see what these conditions are actually like at these mine sites. I also want people to feel empowered. I want my Congolese peers to see, like, you know, you can do this, you know. Something, you know, great things come out of Congo. We're not just like this country that, you know, is going through it, and you just hear about the, you know, the, what are they called, rebels and things like that. But I really want people to feel empowered and to really love what we came up with and what we created. En gros, c'est qu'Annie Femme vient de nous dire, elle dit lorsqu'elle a grandi et lorsqu'elle grandissait, elle voulait toujours appartenir dans un groupe, des gens, un clan, l'ami, les amis et tout, mais she was never fitting in. Elle ne se sentait toujours pas welcome. Elle ne se sentait toujours pas like, comme si elle appartenait dans des groupes. Et puis elle s'est dit, voilà, moi, Anita, j'ai une voix, donc je vais juste développer quelque chose qui est pour Anita. Voilà la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Elle nous parle de ses goals, ça veut dire c'est qu'elle est en train de focus, c'est qu'elle pense dans la vie, c'est servir les autres, et puis aussi parler du Congo, voilà, avec son design, et c'est sa façon de donner aux autres quelque chose qu'on peut porter aujourd'hui. Elle a parlé aussi des coltans et tout, 60 à 70% des coltans viennent du Congo et personne n'en parle au jour d'aujourd'hui. Comment est-ce que les pays ils sont dans des mine sites, là où on prend les coltans, et les femmes sont là, ils travaillent, you know, les femmes sont violées chaque jour au Congo, et puis personne ne parle de nous. Tous nous avons des smartphones, mais personne ne parle du Congo. Elle dit que cet argent, l'argent de cette collection, va supporter une bonne cause, ça va vraiment aider les personnes. Elle a parlé aussi du couleur de notre drapeau de la RDC, la couleur rouge comme étant red is pain, la souffrance de Congolais, bleu comme hope, bleu comme peace, ça veut dire la paix que nous, le peuple congolais, nous avons. Et elle a aussi parlé de la couleur yellow, couleur jaune, qui nous donne l'espoir, nous, le Congolais. En tout cas, elle a aussi expliqué que
toutes les palettes qu'elle a utilisées, toutes les couleurs ont une signification derrière eux. C'est pas seulement pour le Congolais, mais elle voulait donner tribute à tous les Africains, à tout le noir du monde. Franchement, félicitations à toi une fois de plus, Boss Lady. J'aime les filles comme ça, les filles qui résonnent bien. Pour suivre cette vidéo, on va se retrouver à la prochaine. N'hésitez pas de partager, liker, commenter. En tout cas, si cette vidéo-là, vous ne likez pas, je ne sais pas si vous êtes aux réseaux sociaux. Pourquoi? On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, mes amours. Bye. Merci en tout cas d'avoir suivi. C'était Vélévien, la seule, la vôtre, Adrienne, première dame.